Je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur particulièrement. Ben, d'abord, François m'a présenté un peu. Là. Il a nommé toutes mes affiliations, tout ça. Bon, faites-vous en pas, je ne traîne pas ma carte de professionnelle dans un cartable non plus. Là. À la, base, à la base, je suis prof. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Euh, prof en développement régional. Fait que moi, les, le développement des petites collectivités rurales, particulièrement, c'est ce qui m'intéresse. Euh, c'est ce qui a toujours été au cœur de la plupart de mes travaux de recherche. Euh, la question de la ruralité, en soi, c'est un champ important de recherche. Puis, c'est un champ qui prend beaucoup de place aussi dans mes travaux. Puis, ce que je vais vous présenter ce matin, ça fait pas mal l'essentiel, en fait, là, de, de ce où je suis rendu présentement, en fait, là, par rapport aux travaux de recherche dans la région. J'ai appelé ça les espaces ruraux en transition parce que, bien, les différents intervenants en ont déjà parlé, là, juste avant moi, l'ont bien dit, ça change. Ça change dans le milieu, ça change dans le milieu rural, ça change partout dans le monde. C'est pour ça qu'on va dire qu'ils sont en transition. J'ai mis, remarqué, transition plurielle, parce qu'il n'y a pas juste non plus une transition. De même qu'il n'y a pas plus qu'une ruralité, il y a plusieurs ruralités, tout dépendant, la vôtre, celle dans d'autres régions, ailleurs dans le monde, ce n'est pas toute la même situation. C'est pour ça qu'on va parler d'espaces pluriels ruraux en transition. Ce que je vais vous parler ce matin, en fait, j'ai le sentiment que individuellement, je vous apprendrai pas grand-chose. Là, vous êtes en train de vous dire Ouais, fille, ce n'est pas vendeuse ton affaire. Hein. Vous savez, parce que pourquoi je t'assis ici, t'écouter si tu me dis que je ne t'apprendrai rien. Individuellement, je ne vous apprendrai rien parce que ce que je vais vous nommer ce matin, c'est des choses que vous vivez tous. Là, je parle aux agriculteurs, agricultrices, producteurs, productrices, que vous vivez tous en partie. Euh, puis que c'est quelque chose que vous connaissez. En fait, ce que je vais vous présenter au-delà de votre situation individuelle, ce que je vais vous présenter, c'est un portrait collectif. Donc, une vision un peu plus élevée, finalement, de toutes vos situations individuelles. Fait que c'est en ce sens-là, en fait, que je vais apporter quelque chose peut-être plus de nouveau, en tout cas, du moins, je l'espère. Donc, pas au niveau individuel, mais plus un aspect collectif. Um, ok, uh, ce matin je vais vous parler de, uh, de c'est quoi la ruralité. Là, vous allez me dire non, là, ça décolle mal. Je sais c'est quoi la ruralité, je le sais. Uh, mais aussi notez que d'habitude je parle à des urbains. Fait que déjà là, il faut prendre le temps d'expliquer bien les choses, uh, puis de, de, de bien expliquer surtout que la ruralité c'est pas juste tout ce qui est pas de la ville, parce que c'est plus que ça, hein, je pense que vous le savez bien. Mais c'est juste asseoir certaines choses qui va vous permettre en fait de bien comprendre c'est quoi justement les transitions de la rure, ben, des espaces ruraux. Euh, on va parler plus des espaces ruraux québécois évidemment parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Euh, exposer déjà en fait les transitions que <coughs> les espaces ruraux ont déjà vécu euh, et celles qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Euh, ensuite de ça, ben, on va regarder qu'est-ce que nous révèle la transition actuelle, justement. Puis après ça, on va aborder la notion de multifonctionnalité là, qui est au cœur en fait des travaux puis du projet de recherche dont François a parlé tout à l'heure et pour lequel François travaille avec nous là, à l'heure actuelle. Il y aura une période de questions. Euh, puis, en tout je présente les références parce que c'est la façon de faire. Là. Je ne pense pas que ça vous intéresse, mais vous les aurez si vous voulez faire les lectures parce qu'il euh, y a plusieurs éléments intéressants là-dedans. Euh, N'hésitez pas s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Mon but, c'est de ne pas vous assommer avec des thèmes qui valent cher au Scrabble. C'est vraiment de vous apporter quelque chose qui va vous permettre, vous, euh, de, 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 de faire plus. En fait, chacun dans votre situa situation individuelle pour le collectif. Alors, euh, levez la main. Écoutez, je suis habituée d'être interrompu. J'ai trois enfants en, jeune âge, en bas âge. Fait que ça fait 10 ans que je ne suis pas capable de tenir une conversation continue de plus de 30 secondes. Ça je vis très bien avec ça. Ça marche Je vais mettre cela. OK. Allons-y. Je vais vous faire travailler avant de parler pendant quelques temps. Avant de vous faire euh, travailler sur, euh, oui, c'est ça, les définitions euh, de, 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 de la ruralité, j'aimerais ça, moi, avoir votre perception, c'est-à-dire votre définition de ce qu'est exactement la ruralité. Bon, je vais vous présenter le meilleur. Ah, bien, déjà, j'ai des termes qui sont rentrés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la ruralité? Vous pouvez rentrer trois termes. Alors, il y a des termes qui sont en train de rentrer, pouvant rentrer trois maximum. Euh, campagne, nature, végétaux, agriculture, bien sûr. Euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, plus le mot est gros, plus il, a, il est nommé euh, souvent. OK? Fait que plus il a été nommé souvent par les gens. Nature, rang, espace, environnement, productif, qualité j'imagine ça veut dire qualité de vie là, en quelque part liberté euh, nourriture vitalité alors euh, nature campagne semble vouloir prendre plus de place rend aussi famille oiseaux effectivement qui reviennent. On s'en parle, François et moi, on fait des comparatifs. Moi, je demeure à saint amboise C'est les oiseaux du printemps qui sont revenus. J'ai pas encore mes merles, François. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ouais, trop. J'ai les autres, mais j'ai pas mes merles. Bon, euh, liberté, espaces végétaux, vitalité, oui, nourriture, paroisse, faible densité de population, effectivement, occupation du territoire, grands espaces, foin, calme territoire, végétaux, ciel, ouais, c'est ça. Fait que je pense que... Est-ce que je dois attendre d'autres termes? Est-ce qu'il y en a qui sont Oh Oui, ça s'en vient. C'est pas nécessairement euh, instantané. Ça bouge, ça bouge. Ben alors, je ne serais pas capable de lire. Il va falloir que ça arrête un peu. Ben alors, agriculture a repris euh, la, la, la place principale, si je pourrais dire, ainsi que nature, campagne, espace, rang. OK savoir-faire pâturage qualité de vie qui vient de ressortir C'est bon. Merci pour votre participation. Il va continuer à bouger, on ira peut-être le regarder un peu plus tard parce que je vous fais travailler un peu plus tard euh, là-dessus. On va retourner à la présentation si vous êtes d'accord. Mais j'ai vraiment de la difficulté avec ma souris. OK. Oui, donc j'ai eu votre perception de ce qu'est pour vous la ruralité. Merci, c'est intéressant. Euh, D'un point de vue un peu plus, ben, je voudrais dire scientifique, c'est peut-être pas de bon terme, mais de ce, ce qu'on retrouve dans les écrits sur le sujet. OK, on va dire ça comme ça. En fait, c'est pas si clair que ça, c'est quoi la ruralité. Euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai mis, ben, je le mets encore là au pluriel, il y a diverses formes de ruralité. Puis, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre non plus. Puis, je pense que c'est ça aussi qui est important à comprendre. Euh, la ruralité, on peut la définir selon différents, on pourrait dire, points de vue. Là. Euh, le premier étant, ici, euh, que la ruralité, ben, c'est une zone géographique. Souvent, ben, justement, quand je m'en vais faire des conférences dans les grands espaces urbains, justement, on dit, pour eux, la ruralité, c'est tout ce qui n'est pas dans la ville. Ouais. OK. Mais encore, tu sais, c'est plus que ça aussi. Euh, ça peut être par nombre d'habitants. Euh, par exemple, pour Statistique Canada, c'est 1000 dollars, euh, 1000 dollars, n'importe quoi, 1000 habitants euh, ou plus euh, c'est ça. Bien, à ce moment-là, on considère que c'est. Tout ce qui est en dehors d'une zone de 1000 habitants ou plus, on considère que c'est de la ruralité. Pour l'OCDE, qui est l'organisme économique de développement, eux autres, ils vont voir, euh, ils préfèrent plutôt penser à 150 personnes par kilomètre carré. À ce moment-là, on va parler de ruralité. Fait que, bon, c'est des chiffres. Je pense que. Euh, rendu à 1001, est-ce qu'on est encore dans une zone urbaine, dans la ruralité tu sais, Je pense qu'on peut euh, s'entendre que c'est des repères, mais que c'est pas quelque chose aussi là euh, très strict là, que l'on peut décider facilement comme ça. On va parler aussi de construction sociale. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire que c'est une idée de ce qu'on fait de la ruralité euh, dans l'imaginaire le, 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 collectif, si on pourrait dire. Euh, quand on interroge les gens, puis ils ressorti tout à l'heure. <coughs> Excusez-moi, euh, les gens sur qu'est-ce que c'est la ruralité, souvent ils vont penser tout de suite au terme de communauté. Euh, donc, c'est des communautés qui sont tissées serrées, où les gens se connaissent, s'entraident, etc., etc. C'est tout ce qui vient là, avec le terme de communauté. Je ne dis pas que c'est pas vrai, mais c'est peut-être aussi, pas nécessairement ça, partout aussi. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Euh, le concept de tradition, que euh, les zones rurales. Euh, Participe justement à la conservation des traditions, des savoir-faire, toute la notion de terroir aussi qui peut rentrer en ligne de compte là-dedans, bon, etc. Fait que ça, c'est une autre façon de concevoir la ruralité. Une troisième, c'est des caractéristiques, on va dire, plus physiques, euh, notamment, puis je pense que celle-là qui est quand même de toute évidence, puis ça a beaucoup ressorti dans ce que vous avez dit, euh, c'est des endroits euh, où il y a une dominance de paysages avec couverture végétale. Je pense que ça va de soi. Effectivement, on peut s'entendre là-dessus. Des grands espaces, vers, en tout cas, euh, naturels, si on pourrait dire, pour la plupart du temps. Et finalement, ben dans les écrits, ce qu'on va remarquer au niveau de la ruralité, c'est qu'on va concevoir euh, ça, ces espaces-là comme une, un, un usage ou une fonction. C'est-à-dire qu'on va considérer que la ruralité, c'est là où se produit. Euh, la production euh, agroalimentaire. Bon, Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Effectivement, c'est le cas. Euh, production de fibres aussi, dans certains milieux. Euh, il va aussi y avoir la notion de protection de la nature qui va ressortir. Euh, il y en a aussi qui vont voir ça comme les derniers remparts contre la modernité. Fait que là, on oppose la ruralité à la modernité. Ça me dérange toujours un peu. Euh, mais en tout cas, euh, alors, vous voyez que là, il y a vraiment différentes façons de, différen de, de, de définir la ruralité. Je vous présente les enfants boudreaux. Est-ce que vous connaissez les enfants boudreaux? Est-ce qu'il y en a qui sont originaires de l'Anse Saint-Jean ici? Non? Alors, c'est une photo qui a été prise en 1939 euh, par le National Geographic. Euh, la, la revue, là, quand même assez prestigieuse, qui était venue, euh, je ne sais pas pourquoi, là, donc à l'Anse-Saint-Jean. Euh, le photographe avait croqué euh, ces enfants-là, qui, puis là, selon la légende, et je cite, euh, la petite avec le nœud rouge, Rita. Ensuite, on continue, Lisette, Françoise, Vital, Colombe, Marc, et la petite dernière, Germaine, euh, qui était supposée ramener les vaches le soir pour la traite. C'était ça qu'il devait faire. Hein? Euh, donc, mai 1939, remarquez, ils sont tous nus pieds, Puis, ils ramènent des vaches. fait que c'est quand même intéressant. Là, on parle de 1939. Alors, on voit que c'était une, une autre époque, si on pourrait dire que ça comme ça. Euh, ah oui, intéressant, enfin intéressant, il est noté là, dans la, la, la légende en dessous de la photo que la petite Germaine, euh, sa robe serait un ancien sac de sucre ou de farine. quand même bien réussi. Alors, quand on regarde cette photo-là, c'est souvent ce qu'on pense quand on, on pense à la ruralité dite traditionnelle, tu sais, celle-là des anciens temps. Euh, J'étais tombé là-dessus, cette photo-là, là, il y a quelques temps, tout euh, à fait par hasard, puis je trouvais, que, je trouvais ça quand même assez intéressant, justement, de voir bien, et les enfants, mais aussi là, la, la légende qui vient avec. C'est un peu là, de ce que je veux vous parler de ça, la ruralité. Avant 1950, parce que ça va vous permettre de, bien, de mieux saisir, vous le savez déjà, mais de mieux comprendre, encore une fois, dans une perspective globale, c'est quoi les, les, les transitions qu'a vécues la ruralité. Alors, la ruralité québécoise avant 1950, bien, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est encore, j'oserais dire, plus vrai dans le temps, c'était de l'occupation dynamique du territoire. Là, j'ai mis une série de photos dans le bas, là, pour bien, bien saisir ce dont je parle. Donc, tu naissais dans une paroisse agricole, tu allais à l'école, tu te mariais, ben, pas tout le temps, là, mais de quoi, souvent, tu avais des enfants, pas tout le temps, mais souvent, euh, tu travaillais la plupart du temps sur la ferme familiale, euh, tu participais à des événements euh, sociaux comme des fêtes de village ou quoi que ce soit, euh, tu consommais aussi dans les épiceries du village, le, ben, le magasin général, et finalement, ben, tu étais enterré dans ton village aussi. qui tu passais ta vie en entier dans une même zone. C'est ce qu'on appelle vraiment l'occupation dynamique du territoire. En tout cas, moins dynamique ça fait, mais d'occupation dynamique tout de même. Euh, puis Gérard Bouchard, que vous connaissez, bien, Gérard Bouchard, le frère de l'autre, Lucien Bouchard, qui est un collègue bien, maintenant à la retraite là, à l'université, qui a écrit beaucoup, qui a beaucoup étudié la ruralité euh, du Québec. Particulièrement celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il a nommé cette période-là, là, avant 1950, euh, la, la citation en deuxième que vous avez ici, euh, cette ruralité-là, c'était un ensemble de formes sociales et culturelles, donc des dynamiques sociales et une culture particulière, élaborées dans le prolongement de l'expérience vécue, c'est-à-dire que les gens vivaient constamment dans cette ruralité-là. Euh, c'est-à-dire dans le réseau de relations, donc des relations très tissées avec les différentes personnes du milieu euh, et instituées avec l'espace, c'est-à-dire que ces relations-là étaient en relation aussi avec le milieu, le territoire vraiment géographique dans lequel il était. Fait, grosse définition pour dire que finalement les gens étaient vraiment très attachés à leur milieu, euh, à leur paroisse agricole. Euh, les propriétés rurales étaient liées à la famille, ce qui fait dire toujours à euh, mon collègue Bouchard que le mode de reproduction des paroisses agricoles était familial. Donc les paroisses étaient d'abord et avant tout une histoire de diverses familles. Euh, le régime agraire de l'époque, donc le régime de l'agriculture, ça a vraiment été le départ d'une culture communautaire très forte basée sur l'entraide. Euh, la réciprocité, c'est-à-dire que tu m'aides au champ, je vais aller t'aider au champ, vais, bon, etc., etc. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'échanges en ce sens-là, puis c'est ça qui tenait la communauté. Euh, il y avait une dominance aussi de fermes de familiales de subsistance. Donc, d'abord et avant tout, les fermes étaient là pour nourrir la famille et les surplus étaient euh, envoyés sur les marchés locaux quand c'était possible. Alors, ça, c'est la ruralité québécoise avant 1950. Euh, entre 1950 et 90, ben là il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Euh, certains d'entre vous ici les ont vécus probablement là ces changements-là, ces transitions-là. Euh, je commence d'abord en 1955. 1955, on est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, je pense que vous le savez, tout le monde. Euh, il y avait beaucoup, en tout cas, je ne dirai pas dans les détails là-dessus, euh, là parce qu'en soi, ça, c'est un champ quand même assez complexe, puis je pourrais vous en parler pendant plusieurs heures. Euh, mais essentiellement, le Québec, le Canada, comme les autres régions du monde, avaient eu beaucoup de craintes en fait sur l'autonomie alimentaire de chaque pays, de chaque province. Euh, puis, on a fait le constat aussi en fait que euh, les fermes, serait probablement pas capable de nourrir la croissance euh, de la population. Donc, il faut là intervenir finalement pour pouvoir améliorer la capacité du Québec de nourrir son monde. Alors, euh, le gouvernement du euh, ouais, Plessis de l'époque a chargé euh, le commissaire Eon de, de, de faire des recommandations pour améliorer l'agriculture. La, com la commission était chargée de voir comment on pourrait moderniser l'agriculture, la professionnaliser et ensuite... Bien, moi, j'ai nommé ça l'écrémage, c'est-à-dire faire du ménage, en fait, dans les installations euh, qui existaient à l'époque. Et là, je vous ai mis des extraits qui me semblent directement l'issue du rapport de la Commission E.ON, commission qui me semble particulièrement intéressant euh, et parlant, en fait. Euh, donc, le commissaire de dire... Euh, dans son rapport là, au début, là, vers, vers, euh, dans les premières pages, euh, bon, que l'agriculture québécoise doit désormais répondre, et je cite, aux besoins des populations urbaines. Ça vous dérange pas, ça? Oui, moi, ça me dérange beaucoup. Et assurer aux travailleurs du sol une subsistance convenable et la possibilité d'y élever et d'y établir leur fils. Ça fait que ça, je n'ai pas de problème, continuer à vivre dans le milieu où ils étaient. Mais, c'est ça, c'est que l'agriculture ou la ruralité devient désormais et encore plus officiellement subordonnée à l'urbanité. Comprenez-vous le shift qui a été vraiment clairement établi, officiellement institutionnalisé. Ah, J'ai réussi à le dire, oh, institutionnalisé. Une autre fois, journée chanceuse. Euh, alors, avec ça c'est vraiment important d'abord de bien comprendre ça. Ensuite, un peu plus loin... Euh, le petit producteur familial doit croître, se spécialiser ou alors quitter le métier. Et là, de dire, le mauvais producteur, comme le mauvais soldat, sert mal son pays et ses concitoyens. Donc, on est quasiment des traîtres à la nation ici. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Vous rendez-vous compte qu'on met la faute individuelle sur les producteurs de l'époque pas suffisamment productifs de, 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 ça, de, de mal servir leur pays? Et finalement, un peu plus loin, le commissaire dit, le nombre très considérable de petits producteurs dont les produits sont de qualité minime et de qualité incertaine est un facteur de mise en marché désordonnée et d'avilissement des prix qui pénalise nos, product nos producteurs spécialisés. Oui. <laughs> Alors, tu sais, c'est un discours qui est très clair. Mais, tu sais, je dis bon, ça, c'est très dur, là, on, comme discours. Il y a quand même plusieurs autres mesures qui étaient là quand, vraiment pour aider, là, et non pas euh, écraser, finalement, les, les autres, les petits producteurs, si on pourrait dire. Mais on voit vraiment une tendance-là, vraiment très claire, une volonté très claire de, de l'État québécois euh, d'améliorer, de moderniser, de professionnaliser, surtout de faire de l'écrémage. Et, en fait, euh, je vais vous en parler tout à l'heure avec les graphiques. <coughs> Euh, ça a été quand même assez efficace. Euh, comme autre mesure là, dans le développement de l'agriculture, entre 1950 et 1990, ben, vous avez eu la mise en place des contingentements de la production, donc les quotas. 1965, je crois, si je me souviens plus dans ces eaux-là. Euh, ben, la syndicalisation obligatoire avec l'UPA, euh, l'assurance stabilisation qui est venue plus tard, si je me souviens bien. Là, Je ne suis pas bonne d'indate, date, je m'excuse. Euh, la loi sur la mise en marché des produits agricoles et finalement la loi sur la protection des terres agricoles du Québec, la LPTAQ. Moi, je dis LPTAQ. Monsieur disait tout à l'heure LPTAC. Je n'avais jamais entendu ça. Bon. Donc, euh, ce qu'on veut ici, c'est soutenir, intensifier l'enseignement agricole, la recherche, la vulgarisation, les services techniques ou spécialisés. Là, je, je cite encore la production et la mise en marché, assurer l'inspection et la classification obligatoire des produits dans euh, le meilleur intérêt des producteurs et des consommateurs. Euh, allez souris, vas-y. Ok. Ce qui nous mène à ce graphique-ci euh, que j'ai trouvé sur euh, Statistique Canada. Euh, donc, vous avez des données qui partent de, 1800, qui partent, pardon, de 1871 au début euh, jusqu'à 2016. Là, pour ce graphique-là, je n'avais pas plus loin que 2016. J'en ai un autre euh, qui va un peu plus loin jusqu'à il y a deux ans, en fait. Euh, ça, c'est pour le Canada mais la situation est tout à fait semblable au Québec. Donc, en jaune, la ligne en jaune, c'est euh, l'accroissement ou la baisse, en fait, la, 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 le nombre d'entreprises de, 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 d'exploitation agricole entre 1871 et 2016. Puis en bleu, c'est la taille des exploitations agricoles. Donc, on voit là, que c'est vraiment là, deux mouvements qui sont contraires. Donc, moins il y a eu euh, d'exploitations agricoles, plus il y a eu une, une augmentation au niveau de la superficie en acre. Euh, des différentes exploitations agricoles restantes. Je veux juste vous expliquer certains éléments ici. Euh, ben, je ne vous apprendrai rien comme il y a eu deux guerres mondiales. La première guerre mondiale, après la première guerre mondiale, il y a eu une amélioration au niveau des prix euh, alimentaires là, au niveau mondial, pas juste au Québec. Euh, au Québec, euh, ça a été particulièrement payant, en guillemets. donc les producteurs se sont beaucoup. Euh, ben, il y a eu de, beaucoup de nouvelles euh, exploitations agricoles qui ont été mises en place. Euh, ça, c'est la ligne qui est ici. Euh, puis, il y avait des meilleurs prix. Donc, c'était un bon temps finalement pour faire de l'agriculture à cette époque-là. Euh, puis, après ça, ben, ça, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, donc 39, 45, là, dans, à peu près dans ce coin-ci. Et il y a eu la Commission Eon, dont je vous parlais tout à l'heure. Ben, elle a été instituée en 51, si je me souviens bien. Euh, rapport final remis en 55. Ben, que ça concerne cette zone-là ici. Ben, tu sais, quand je vous disais tout à l'heure que... On voulait faire, c'était de l'écrémage dans les petits producteurs agricoles du temps, c'est exactement ce qui s'est passé. Puis vous voyez là, que la descente après ça a été bien, brutale au début, puis après ça, elle s'est poursuivie jusqu'ici 2016. Là. Mais on pourrait regarder, euh, on va le voir dans l'autre graphique tout à l'heure, c'est un peu semblable. Euh, entre 1955 et 1965, si je me souviens bien, euh, au Québec, on estime qu'il y a eu 100 000 fermes familiales qui sont disparues. 100 000. Mais ce n'est pas juste les, les fermes familiales, c'est les familles aussi qui sont parties, les rangs. Et c'est la communauté aussi, les communautés qui ont vécu, en fait, cette, cette transition-là. Euh, je vous présente l'autre graphique ici. Ça, c'est le même, mais avec des données un peu moins euh, anciennes et un peu plus récentes. Puis là, c'est vraiment pour le Québec. Donc, ça part de 1931 jusqu'à 2021. Euh, oui, c'est ça, 2000, 2021. Euh, même phénomène ici, là, après la première guerre qu'on voit un peu, 1941, bon, la deuxième guerre, que ça commence un peu, puis après ça, euh, la zone, là, la commission Eon, ça arrive à peu près ici, j'ai mis une flèche, et clairement, on voit là, la descente ici. Fin intéressant, par exemple... <coughs> Euh, entre 2016 et 2021, là, ça s'est ben, stabilisé. Vous le voyez là, relativement, le nombre de producteurs agricoles. Euh, le chiffre, je l'ai ici, oui, là. Euh, en 2016 et 2021, il y a eu une augmentation de 1,6 euh, Donc, euh, il y avait 28 919 exploitations agricoles au Québec en 2016 et de 29 380 en 2021, une variation de 461 exploitations. Alors, quand même, c'est intéressant, là, ça semble se stabiliser, voire s'améliorer lentement, mais sûrement. Mais je pense que vous pouvez voir quand même qu'il y a eu vraiment une bonne drop, on va le dire en français, là, euh, à partir des années 45 jusqu'à, on va dire, dans les années 80. Bon, OK. Euh, 1990 et jusqu'à aujourd'hui, si on pourrait dire, et plus la ruralité, euh, qu'est-ce qu'on constate après? Près de. Presque 75 ans euh, de, 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 depuis la, poli, la, la, la Commission EON. mais ce qu'on s'est aperçu en fait dans plusieurs régions du Québec, rurales du Québec, c'est qu ce qu'on appelle une déstructuration des espaces ruraux. Donc, dévitalisation économique dans certains milieux. puis encore une fois, là, ça dépend. C'est pas tous les milieux qui sont semblables, bien évidemment. Là, mais le portrait général, ce qu'on constate, c'est celui-là, celui-là, dévitalisation économique. Perte graduelle des services de proximité, euh, services de tout ordre, là, ça peut être autant privé, public euh, que communautaire. Quand l'école du village ferme, c'est le cœur du village qui meurt, littéralement. Puis ça, c'est toutes les recherches qui le démontrent, pas juste les miennes, tout ce qu'on peut voir, là. C'est vraiment difficile après ça de ramener entre guillemets un village si l'école ne revient pas à la vie ou si elle est disparue parce qu'il y a vraiment une grosse démobilisation après ça quand l'école ferme. Tu sais bon euh, bureau de poste il peut partir hein, c'est un mais en tout cas bon il part euh, dernier dépanneur peut fermer ouais, c'est pas évident pour les personnes à mobilité réduite mais on va s'arranger tout ça, ça mais quand l'école ferme c'est plate à dire je veux pas dire ça là mais c'est catastrophique c'est vraiment catastrophique. Euh, vieillissement non renouvellement de la population mais ça c'est pas juste le, les espaces ruraux là c'est le Québec en général mais c'est encore plus prononcé dans les espaces ruraux euh, délabrement pardon, abandon, abandon du patrimoine bâti donc euh, tout ce qu'on a d'églises qui sont plus fréquentées euh, les immeubles patrimoniaux euh, bon et tout ça on n'a plus d'argent pour les entretenir donc on est obligé ben, soit de vendre de détruire euh, ou le feu pointe dedans bon en fait, bref